cola évolué. La pique a besoin de sa tenue. Je vous en prie, laissez-nous vivre notre vie. Le premier colonialiste est révolu, le temps de l'impérialisme est révolu. Laissez-nous en paix. Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le Barshal. Alors soyez davantage bénis dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes à cette date aujourd'hui, de ce jour de jeudi 25 juin 2020. Alors, un événement de taille se prépare. La Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles, en collaboration avec le ministère de la Compassion des Arts, tous les juristes africains, les médecins africains, n'est-ce pas, des personnes, n'est-ce pas, dans tous les secteurs dont je serai cité les noms, c'est révolté, n'est-ce pas, de voir l'Afrique en train de tourner en bourrique, chrétiens, croyants, décidés, n'est-ce pas, que l'Afrique soit évangélisée sous l'ordre, le mandat du Saint-Esprit. Dans Matthieu 28, verset 19, il dit « Allez faire des nations des disciples ». Très bientôt, dans les temps qui vont suivre, vous allez voir, dans 45 pays africains seront visités par le ministère de la Compassion des Hommes, bien sûr, avec une collaboration avec tout ce que je viens de citer d'ailleurs. Alors, je tenais à dire merci à toutes ces nations qui ont décidé de nous accueillir en leur sein. Merci pour ces nations qui ont décidé de pouvoir de permettre que le ministère de la Compassion des Hommes, en collaboration avec la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, ont décidé d'accueillir cette confédération. Et surtout, merci pour tous les diplomates, toutes ces personnes, médecins, juristes, dans beaucoup de secteurs, qui ont vraiment pris à bras le corps cette vision et cette campagne d'évangélisation. Dans beaucoup de secteurs, aujourd'hui, les Africains, c'est notre temps. Vous comprenez, nous avons besoin, c'est notre temps. L'évolution dans tous les domaines. Basique, le domaine de football, dans le domaine, dans tous les domaines, je précise très bien, dans tous les domaines, c'est notre temps, vous comprenez. L'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique, si vous voulez, est un scandale géologique, nous avons tout, le pétrole, manganèse, uranium, tout ce que nous voulons, tout ce qui est richesse, Dieu a béni, et l'Afrique est le berceau de l'humanité, et c'est à partir de l'Afrique que tout s'est positionné dans le monde d'ailleurs, parce que la grande plateforme de la civilisation dans le temps, c'était l'Égypte. Encore, le problème africain, c'est un problème, si vous voulez, spirituel, en tant que croyant. Mais aussi, c'est un problème éducationnel. Et nous allons parler auprès des nations, n'est-ce pas? Des nations, avec cette ONG que j'ai, que je dirige, donc à la tête, prophète Crasso, prophète Joël Crasso, espoir de vie. Pour nous, c'est aussi la protection de l'enfant, de la maltraitance de l'enfant, et permettre qu'il y ait chaque crèche, vous comprenez? Parce que c'est important. Genre, je reviens un peu là-dessus de la crèche. Il faut que nos dirigeants comprennent qu'il faut commencer par le commencement à partir de 3 mois et que dans nos amours, dans les villages des campements, que nous préparons déjà des hommes d'élite à partir de l'éducation. Parce que c'est important. Une génération part, une génération vient. Il faut déjà commencer à préparer l'éducation. Qu'il y ait des crèches, qu'à partir de 3 mois, que chaque enfant africain qui naît maintenant puisse aller dans une crèche, à partir des crèches, première section, deuxième section, afin d'affronter l'école parce que tout se prépare. Afin de préparer une Afrique des hommes intelligents qui vont développer l'Afrique. Donc c'est le combat que nous menons d'ailleurs. Merci pour tous ceux qui nous accompagnent dans cette grande campagne d'évangélisation et de sensibilisation contre la délinquance et contre tout ce qui est enfants de rue et tout ça. Nos contacts sont les suivants. 00-337-55-30-87-48. Je reprends. 00-337-55-30-87-48. 00-225-47-07-23-28. Mon mail plutôt, c'est joecrasso@gmail.com. Shalom, très bientôt. Très bientôt. J'arrive. Nous arrivons avec toute une délégation. Nous avons fini la phase préparative. Il suffit maintenant de toucher la phase pratique. Et c'est très bientôt. On est ensemble. J'aime l'Afrique. J'aime ce continent. Shalom. Je vous possède dans mon cœur. Et on a bientôt.